renseigne dans mes gardes et d'une compagnie après la campagne. Et dans la salle, je vois plus que de la chair, vivante et habillée. Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Je suis devenu quelqu'un maintenant. Tout le monde m'aime. Et bientôt, des millions de personnes me verront à la télévision et tous ces gens-là m'aimeront. Je suis super flippé. C'est hyper angoissant et tout le monde est hyper talentueux et enfin c'est assez dingue et en même temps voilà ouais, ça a démarré pardon un peu, et je suis excité quand même parce que ça me fait plaisir de passer à nouveau sur scène avec un beau texte et tout puis voir tout le monde qui fait pareil. J'adore ce métier quoi. Ça va, je me sens bien, enfin stressée bien sûr, mais j'essaye d'être détendue parce que sinon il y aura aucune émotion qui va passer. Ce petit stress-là, je m'en suis servi pour mon stress de personne. Et d'où vient ce poison qui me court par toutes les veines et ne me laisse point en repos avec moi-même? Sors de mon cœur, qui que tu sois, ennemi qui te cache, attaque-moi. N'est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leur mœurs? Je m'en dégoûte. Tenez, tenez mes biens, ma fortune, ma gloire, tout ce qu'il me reste de jours à vivre. Et puis après? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Ah, ça va, c'est mieux une fois qu'on a fini. Merci Miguel. Ouais, moi je suis content de ce que j'ai vu, puisque ce que j'aime surtout, c'est ce début de travail, quoi. Il y a vraiment un début de troupe, donc on voit quelques artistes se dégager et tout, donc je suis vraiment très heureux.